est prêt pour la cuisson à court. Il va de soi que c'est agréable de travailler en temps ensoleillé. Mais nous le faisons aussi quand il gèle, par exemple. Et en temps pluvieux, nous cuisons même sous une tente ou un hangar. Mais avant de commencer, encore ceci. Nous cuisons au gaz propane. Voilà un brûleur avec une capacité de 15 kW. C'est suffisant pour un four à tonneau avec rehausse, afin d'acquérir la bonne température. Pour bien travailler, il nous faut une pression de 1 bar. Pour augmenter la sécurité, vous pouvez éventuellement monter une protection de fracture de tuyau sur le brûleur. Quand la pression change subitement, le système se débranche. Je vous montre. Ici, il est débranché. Et en poussant le petit bouton, je peux reprendre la cuisson. La date de fabrication est toujours sur le tuyau. Mais attention, la réglementation n'est pas pareille dans tous les pays. Sur ce brûleur, nous avons monté une protection thermique. Cela veut dire que quand je veux brancher le brûleur, je dois enfoncer ce bouton. Le pyromètre est alors activé. Supposons par exemple que le brûleur s'éteigne pendant la cuisson, alors la distribution de gaz est débranchée quand le pyromètre indique moins de 100 degrés Celsius. Nous préférons travailler avec de la grosse sciure sèche. Pour défourner cet objet, on a besoin d'une pince. Nous préférons cette pince légère fabriquée avec des tubes de chauffage. Elle ne pèse que 500 grammes. Une plus grande pince pour des plus grands objets et pour les sphères, il y a celle-ci. Et encore une pour les grandes boules. Il n'existe pas de pince qui permet de sortir du four tous les ouvrages. Afin de nous protéger contre la chaleur excessive, en défournant le four, nous portons des gants de soudeur. Et pour la réduction, il y a des poubelles, ce qui donne régulièrement des problèmes. Non de Jutrus! Is ten smerigen buurman werpies? Ik meet dat vuur! Ik slik die tabletten niet voor niks hier. Ik heb het nooit aan mijn hart gehad, maar sinds jij hier bent komen wonen met je rokerij. Het is ergens een palingstokerij wat hier gebeurt. Dus mensen het leven onmogelijk maken. Stop toch eens een keertje ermee. Houd toch eens rekening met andere mensen. Je leeft hier niet alleen op een eiland. Moet ik fruis of fruis jij? Wie is hier de schuldige? Ah, heureusement. Nous nous sommes reconciliés, le voisin et moi. Car nous avons trouvé une solution contre les fumées gênantes. Si c'est trop compliqué pour vous de creuser un trou,
pour le tonneau dans le sol, vous pouvez faire ceci. Ici, je pose sur le sol une couche de sable d'une épaisseur de 5 cm. Et là, dessus, nous disposons la sciure. Ensuite, nous y étalons les objets et nous les couvrons d'un tonneau que nous enfonçons bien dans le sable. Ainsi, la fumée gênante reste à l'intérieur du tonneau.